L'anatomie pathologique, c'est l'analyse des cellules et des tissus à partir de biopsies ou de pièces opératoires. Elle permet de poser le diagnostic d'une maladie, d'en apprécier le pronostic et de réaliser des biomarqueurs qui vont orienter la prise en charge thérapeutique du patient. En bref, l'anatomie pathologique, ça sauve des vies. Ce que j'aime de l'anatomie pathologique, c'est de réussir à voir ce que personne ne peut voir à l'œil nu. Lorsque des tissus sont prélevés chez un patient par biopsie ou lors d'une opération chirurgicale, ils arrivent au service d'anatomie pathologique du CHU. Ces prélèvements vont passer par plusieurs étapes pour pouvoir être analysés. À son arrivée, le prélèvement est réceptionné et contrôlé par une aide de laboratoire. Il est alors fixé plusieurs heures dans du formol pour le durcir et assurer sa conservation. Notre spécialité nécessite un travail extrêmement minutieux et manuel avant l'analyse des prélèvements. Des prélèvements ciblés réalisés par le médecin sont ensuite disposés dans de petites cassettes numérotées. De la paraffine, chauffée à 60 degrés, est coulée dans ces moules pour solidifier les tissus et obtenir un bloc de paraffine. Après refroidissement, chaque bloc est découpé manuellement au microtome. Les techniciens du CHU de Rennes les découpent avec minutie afin d'obtenir des rubans de coupe tissulaire de 3 microns. Ils seront alors déposés dans un bain-marie, puis étalés sur des lames de verre numérotées. Bleu, rose, jaune, les lames sont ensuite colorées pour mettre en évidence les lésions obtenues et être observées plus facilement. Chaque lame est contrôlée, triée et rangée sur une clayette par ordre de numéro d'identification et par médecin référent. Une étape primordiale réalisée par un technicien de laboratoire. Les lames passent enfin sous l'œil expert du pathologiste. La tête vissée sur son microscope, il analyse les lames les unes après les autres pour poser son diagnostic. Aujourd'hui, avec le numérique, les lames colorées sont vérifiées et triées par un scanner ultra rapide. Le numérique a révolutionné la pratique de l'anatomie pathologique. Le pathologiste peut donc analyser les lames sur des écrans en très haute définition. Agrandir, mesurer, superposer, annoter, une infinité de possibilités, jusque-là impossibles au microscope, s'offrent à lui. Il accède instantanément aux images numériques et peut partager ses données en temps réel avec les équipes médicales du CHU. Cette technologie permettra également l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle innovants au service des usagers. La pathologie numérique, une avancée pour les cliniciens et les patients.